Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Avant de commencer, je vais profiter. Occasion ça pour vous voyez un mot de sympathie par tout le monde qui est victime de la dernière violence que le pays a connue. Pendant une bataille, j'étais dehors, j'étais en Dalia, en Turquie, et nous parlions pour nous faire le point sur certains problèmes que le pays a à confronter aujourd'hui. Mais maintenant, on parle premièrement de résumer ça. Forum sous diplomatie en Antalya, je profite de saluer chaque grand agent qui vit en Haïti et ça qui vit dans le pays étranger. Je suis quitté le pays jeudi matin de très tôt, vers 5h30, je suis allé dans la ville Antalya, qui est la quatrième ville dans le pays de Turquie. Et je crois que c'est la capitale touristique de la Turquie. Jean, moi, ouais, monsieur Damio, te dit dans le forum. Moi, j'ai gagné plusieurs bilatérales. Premièrement, j'ai gagné un bilatéral avec le président forum international diplomatie. Nous avons parlé de plusieurs bagages. Mais ça qui était bien important, qui t'a attiré l'attention, c'est lui-même qui est responsable, en fait, qui est président de toute grosse association entreprise privée en Turquie. Et lui-même, il était à parler de partenariat public-privé en Turquie, côté que son pays, niveau chiffre arrivé dans 100 milliards de dollars. De partenariat qui fait entre le public et le privé en Turquie. Nous t'ai parlé de comment Haïti est capable de bénéficier de avancées technologiques qui gagnent dans le pays Turquie. D'ailleurs, Fondi nous t'a accompagné de deux présidents de chambre de commerce, le président de la chambre de commerce du Nord-Est et le président de la chambre de commerce du Nord, qui eux-mêmes, c'était deux représentants du secteur privé du côté haïtien, qui étaient là, dans la rencontre Sardou. Et nous avons parlé avec le responsable du secteur privé, hein, sous un pile opportunité qui gagne dans le pays d'Haïti, et comment nous sommes capables de travailler avec l'autre, qui pour permettre le développement de relations Turquie avec Haïti. Moi, j'ai parlé dans le forum, dans tout, j'ai eu un panel qui était un président du pays d'Haïti, serviteur Pau, qui était un président du pays Kosovo, qui était un président du Kenya, tout. Je voulais parler de président Kenyatta. Moi, que tout l'autre monde qui était sous le panel, là, j'ai eu M. Joseph Borrell, j'ai eu d'autres panélistes, nous tous, nous nous rendons compte que bagayo pas qu'à continuer fait j'en ai fait là en matière de relations entre pays qui riche avec pays qui pauvre. Ça veut dire qui ça? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, toute nation était prise disposition pour te mettre sous pied Nations Unies, qui sont fêtées 75e année l'année passée, gagner une bonne autre institution qui était mise en place tout pour te redéfinir relations qui est entre pays riches et pays pauvres sous terre. Après 75 ans, nous finissons par rendre compte, et d'ailleurs, le coronavirus, la pandémie ça, qui frappe nous là, finit par faire nous rendre compte que ça a un gros problème. Après 75 ans, il n'y a pas qu'à continuer à faire, j'ai fait faire là encore. Et c'est pour ça, moi-même, dans l'intervention pas moins clair, je me dis, si nous avons continué à faire même bagaille, et nous avons l'autre résultat, c'est que nous avons fouillé. Nous dans les épaules. C'est pour nous capables de nous faire un autre si nous avons besoin de l'autre résultat. Nous avons même parlé de nous-mêmes, dirigeants du monde entier, leaders,
que ou dans le secteur économique, ou dans le secteur politique, culturel, social, moi te dis aujourd'hui, il faut nous comprendre, nous sommes membres équipage bateau et peuple, c'est passagers qui sous bateau. Ça veut dire qu'il faut nous commencer à virer Koubla, parce que si nous continuons à aller, jeunes, nous pour aller, nous pour aller connaître un pays qui pi mal, un monde, je dirais, qui pi mal, après affaires pandémie coronavirus. Là. Parce que l'économie pays est à genoux, et pourtant, nous avons ces gros efforts qu'a fait jusqu'à présent entre gros pays. Yo, nous voyons qui gros annonce qui fait pour pays européens. Nous voyons annonce qui fait par exemple pour États-Unis et d'autres autres pays. Mais moins prend très au sérieux annonce qui fait tout dans les affaires infrastructures pour pays à revenu faible. Et moi quoi non tête à tête maintenant avec le président Kenya, c'était un sujet que nous avons parlé de lui pour nous si ensemble nous devons mettre sous pied yon forum qui est le One Voice. Côté pour nous tout à parler d'une seule voix, ça veut dire pays qui est pauvre sur la terre, pays à faible moyen, nous tous nous avons parlé d'un seul gens qui j'en la pied, nous débattons modèle que nous même en Haïti nous faisons avec pays Taïwan. Par exemple, Taïwan, dans 10 dernières années, pas de gens qui gagné des prêts que vous avez fait avec le pays d'Haïti. Mais entre 2017 et 2021, nous gagnons environ 250 millions de dollars de prêts et de dons que Taïwan fait avec nous. Et pourtant, c'est tout ça nous voulons passer. Ça veut dire que nous avons besoin de réseau électrique. Cobla, c'est ça le fait. Nous avons besoin de système qui marche avec le soleil pour te pomper de l'eau. C'est ça l'argent fait. Nous avons besoin de centre semencier. Ça veut dire côté, nous avons 2000 tonnes par année de production. Je dis à nous gagner 20 000 tonnes. Et c'est ça l'argent fait. Nous construisons un centre semencier dans le sud, dans le nord-est, dans la Tibonite. Et dernier bas là, nous construisons, disons, avant-dernière, nous construisons un hôpital dans le nord-ouest, qui sont gros hôpital de référence à travers le Fatma. Et maintenant, nous dérapons avec construction lycée d'excellence là, qui a coûté 28 millions de dollars. Côté de la campagne, moi te promets, moi te dis que si mon cap fait moins 8 l'école, moins 9 l'école, qui pas une possibilité, qui finit fait 6e année, il n'y a pas qu'un code cabrit qui n'a pas. Et puis, parce que il n'y a pas un code, parents n'ont pas un code pour voir l'école, ils disparaissent dans la nature. Lycée d'excellence, ça a commencé à construire. Là, bien pour le recevoir, peut-être, c'est pas moi qui appelle pour inaugurer, c'est pour le prochain président. Là, bien pour le recevoir, 750 timounes, en pays en général, timounes qui sont plus intelligents, qui n'ont pas un moyen. Ça veut dire, ça nous réalise en Haïti, c'est un modèle que lié pour tout notre pays que nous avons parlé là nous disons One Voice. Là. C'est tout pays qui a bien pour nous mettre ensemble pour nous parler de nos seules voix, pour nous dire EDSA, moi qui annoncé en matière d'infrastructure, et bien content tout, moi t'étendre que le président des États-Unis lui en fonction, lui entre en fonction de parler du président Biden, qui te parlé du racisme systémique. Et nous-mêmes, nous prenons parole, ça, très important, parce que là, nous avons gardé 25 pays qui sont plus pauvres sous la terre. Malheureusement, ça me dit à la gueule, doit pas ranger certains monde, mais c'est ça lié. Tous ces pays noirs, les 25 pays les plus pauvres de la terre. C'est peut-être Yémen qui peut être un pays arabe, mais tout le reste, c'est des pays qui sont en Afrique, et c'est Haïti qui, dans les Caraïbes là, qui n'a mis un pays ça. C'est pour me dire que je dis un moment arrivé, pour nous dire la vérité en cours, pour nous garder l'autre dans les yeux, c'est ça que je dis dans le forum, dans tout, pour que la vérité nous dise et nous fassions ensemble. Pour nous apprendre que pour nous ne pas nous yon pas voir tout à sur l'autre, ça veut dire pays pauvre, pour ne pas dire que c'est pays riche qui la cause. Pays riche tout pour dire que c'est pays pauvre qui gaspille le cobla. Mais on fait on l'autre gens. Jean nous fait modèle Taïwan, non? Côté pays riche là, où dit, où il y a tant l'argent disposé pour pays pauvre, et mais. Vina avec entreprise pauvre. Pays pauvre là même identifier ça rien pour faire. Par exemple Haïti. Pays d'Haïti nous besoin 60 000 salles de classe, 4 000 km route, réseau électrique, barrage d'irrigation, l'hôpital, sécurité. C'est ça, nous même n'a pas dit qui problème nous rien. Et puis à ce moment-là, nous bail fiche de problème yo et l'autre pays qui a venu avec quoi bio, yo vini
pour venir avec la société dans le pays. Et l'obligatoire, même si ça fait avec Taïwan, qui vient faire réseau électrique là, il y a 23 autres entreprises haïtiennes qui bénéficient de contrats dans l'argent Taïwan. Ça veut dire Taïwan, contrat fait pour 150 millions, disons 157 millions. Ils viennent travailler eux-mêmes, compagnie taïwanaise, mais ils ont une bonne entreprise haïtienne qui eux-mêmes bénéficient tout, qui a travaillé dans l'agence. Ça, nous pensons, c'est modèle, ça aujourd'hui. Nous là pour nous prioriser, parce que c'est eux-mêmes qui sont bons pour que peuple dans le pays pauvre, ça, peuple dans le pays sous-développé, ça, soit capable de joindre, soit capable de souffle, nous capable de vent pour ne pas continuer à faire même genre. Par exemple, pays d'Haïti, là nous prenons de 1990 à 2021 que nous sommes là, le pays a reçu plus de 20 milliards de dollars. Côté Kobla, qui ça le fait? Personne ne va pas. Et bien, je vous dis, pour un moment arrivé, pour ne pas dire qui est-ce qui la cause. Ce n'est pas Haïti qui recevra là qui cause, ni pays qui bali à qui cause. Elle dit, modèle là, c'est le même pour nous changer. Elle dit, modèle là, pas bon. Et c'est pour ceci, c'est clair, c'est net pour tout le monde, expérience que nous-mêmes, nous sommes faire encore, nous avons fait actuellement avec Taïwan, c'est clair. Il montre nous, comme la sortie dans le pays, il est venu en Haïti, il fait exactement ça, dirigeant haïtien, il veut faire. Pas de bataille. Nous avons dit, réseau électrique construit. Et dans tout le pays, dans toute la petite ville, tout le monde dans le pays, ouais, qui côté poteau électrique a atterri, des côtés loin. Mais c'est même comme ça. C'est pour tout réseau qui a construit, c'est ton prêt qui t'est fait, et c'était pour ça qu'il t'est fait. Nous avons l'autre compagnie, ce n'est pas la compagnie taïwanaise qui vient construire. C'est même gens tout, dans les affaires pompage solaire là, nous avons presque 12,5 millions, à 15, disons presque 15 millions de dollars. C'est une entreprise taïwanaise avec d'autres haïtiens qui viennent, qui a installé le travail. Voilà ça, nous-mêmes nous avons priorité, même gens avec l'ICE d'excellence qui a construit, nous avons des sous-traitants qui fait avec des entreprises haïtiennes. C'est une entreprise taïwanaise qui a fait. Bilatéral que nous avons avec le président Erdogan, nous te font en pile parler ensemble sous un pile domaine tant que construction, énergie, sécurité. D'ailleurs, nous avons même parlé de premiers contacts qui étaient faits pour nous avoir des bateaux qui étaient produits électricité dans le pays. Mais Jacques que nous comprenons, nous voyons tout, qu'au Commission nationale du marché public, le projet a été arrivé. Je crois que c'était deux projets qui sont arrivés ensemble, c'était General Electric là, lui-même. Il est clair, et moi-même, tout le monde est d'accord, qu'au lieu de nous louer, ça veut dire pour nous à payer un courant et puis bateau, ce n'est pas pour nous le tapier, nous avons priorisé 60 MW sous Port-au-Prince, 30 MW sous Cap-Haïtien. Disons maintenant 90 MW sous Port-au-Prince et 30 sous Cap-Haïtien. Ça veut dire qu'il y a 60 MW là qui est installé déjà. D'ailleurs, nous avons rien pour nous parler de ça, on l'autre là, mais nous avons tout désordre qui a commencé à partir du 1er juin dans le pays, et c'est parce que tu as gagné. En fait, inauguration centrale Carrefour qui est pour faire 5 juin. Qui peut qu'on fait? Et je pense que la fête, parce que c'est triste pour nous dire, mais en réalité, côté développement, le Conseil du monde, il fait peur. Et je dis, nous revenons au moment, côté fort développement, fait tout le monde content. Même j'ai pays, côté M. Ladon, Turquie. Turquie, entre 2002 et 2021, il est sorti de 45 000 MW, il est passé à 95 000 MW. Et entre 2012 et 2020, c'est le point élan. Ça veut dire plus que 70% d'énergie, ça, c'est l'énergie qui est installée. On fait un exercice simple. L'homme parlait de 45 MW, 45 000 MW en 2002, et nous parlait de 95 000 MW en 2021. Vous devez nous comprendre bien. C'est près de 50 000 MW en moins de 20 ans. Et entre 2008 et 2001, entre 2012, je dirais, et 2020, yo pour un pic, c'est un coup, ils ont fait 40 000 MW en 10 ans. En 8 ans, je dirais. Et puis, ils ont fait peut-être 10 000 MW en 10 ans. 40 000 MW, pour nous-mêmes, Captain Dim, la comprendre bien. On paye, j'avais dit, c'est cerveau, tu qui as même dans la tête, même là avec nous. C'est dirigeant politique, même là avec nous. Et pourtant, ils prennent décision, ils disent, bon, ok, après, résoudre le problème électrique, c'est la caillou. Dans 8 ans, ils ont construit et ils ont fait marcher 50 000 MW. Moi-même, je dis dans 5 ans, je fais 600 MW, bataille pétée. Bataille pétée parce que 600 MW, je dis, je fais dans 5 ans. Ça veut dire, l'homme dit en 2017, il y a possibilité, nous allons mettre courant 24 sur 24 dans 2 ans,
bataille était pire. C'est pour m'expliquer nous que aujourd'hui, hein, moment arrivé pour nous ouvrir les yeux, nous, pour nous regarder l'autre pays, comment ça passe, pour qu'il soit nous-mêmes, nous obliger que le fait on l'autre gens, parce que nous sommes haïtiens, nous vivons en Haïti. Aujourd'hui, en fond de travail, pour nous capables de mettre tête ensemble, même j'aime dire là avec, par exemple, le président Erdogan, dans les affaires énergie, hein, lui, il y a d'autres modèles que tu qui commencé à expérimenter. Dans la ville d'Istanbul, par exemple, qui produit 3000 tonnes fatra, même avec la ville de Port-au-Prince, qui produit quoi, environ 3500 tonnes, on me dit Port-au-Prince et ses environs, Carrefour, Pétionville, Tabac, Cité Soleil et autres, ils produit 3500 tonnes. Actuellement, entrepreneur qui gagne un contrat pour produire courant à partir de fatra, moi j'ai rencontré, il a produit 80 MW d'électricité avec fatra. Fatra, ordure ménagère, dans la ville d'Istanbul. Faire des villes la propre, toute fatra produit, il fait courant avec lui. Et pourtant nous-mêmes, nous avons qui dégâts que fatra fait ici. Même gens, même entrepreneurs, les produits, mais non t'as encore 100 MW sur zone que nous sommes parlé à Istanbul, c'est pour me dire comment l'impossible pour un partenariat qui fait entre eux, pays que les Turquie et Haïti dans les affaires énergie. Je connais Dr. Ivenson Galix qui a gagné même moment conseiller MDV numéro entrepreneur à Bali et je connais en contact pour nous qui est bonne manière. Courant nous dit pour pays à gagner tout le temps pour nous capables de rentrer dans l'énergie renouvelable bio tout. L'autre bagarre avec le président Erdogan que nous avons parlé, c'est sous affaire ciment. Nous connaissons depuis monter président en 2017. D'ailleurs, c'est ton promesse de campagne que nous avons fait sous place d'Am Gonaïve. Nous avons dit que Fok bon usine ciment qui construit dans la zone Atibonite. D'ailleurs, le plus gros mine ciment qui gagne dans le pays, c'est, disons dans le Caraïbe, là, je m'excuse, c'est dans la Atibonite liée. C'est Mont de la Pierre qui gagne 25 km2 de matière première. Malheureusement, toute entreprise qui est entrée, elle n'a pas arrivé à accepter pour te monter l'usine ça. En pile contact est fait, pendant qu'on a parlé à la, nous rencontrons un groupe d'étrangers tout, qui est venu et me connaît qu'il y a travail, d'ailleurs il y a une nouvelle, qu'il y a tourné avec une quantité de monde, mais pas avec le président Erdogan, nous tout parler de ça tout, parce que Haïti aujourd'hui a consommé 4 millions de tonnes de ciment chaque année, et pourtant tout ciment Haïti a consommé net en général, c'est l'autre bol acheté. Je veux pour tout le monde comprendre ça clair, nous tendons à une usine ciment en Haïti, non pas une usine ciment en Haïti. Il y a une usine dans sa charge. Ça veut dire côté, ils ont mis le ciment dans sa chair, dans sac. Ou bien, il y a des moulins. Côté clinker avini, ils ont moulin et puis ils ont mis dans sa chair ici. Ça veut dire, le moment arrivé, il faut Haïti, nous sommes capables de commencer à réfléchir pour le pays capable de gagner une vraie usine qui produit ciment, qui produit clinker, qui utilise la matière première que nous gagnons pour faire ciment. Même ça, même j'en fais dans tout le pays sur la terre. Parce qu'un pays n'a pas besoin de 4 000 tonnes, je dirais, de ciment. 4 millions de tonnes de ciment par année. Et dans 4 millions de tonnes, non, nous faisons 0 tonnes. Moi, je connais que l'autre monsieur qui est venu, même parler toi avec le président Erdogan sous ça. Si l'autre groupe, ça, Pierre Tachapé, il n'y a pas de volonté pour venir, pour finir le travail, pour au moins pour nous, l'autre groupe, qui est capable de travailler pour nous capables réellement développer secteur ça qui c'est base développement pays a pas gen gens que nous capable parler de développement si nous pas gen matière première ça qui relé ciment et nous te parler avec président Erdogan tout pour affaires sécurité a pour affaires équipement et matériel accessoires surtout et équipement non létal ça veut dire nous parler de équipement de protection individuelle pour la police qui meilleure façon qui gagne des capacités pour construire des véhicules blindés de transport de troupes tout ça nous t'ai parlé et ministre de défense qui était là tout dans voyage on croit aussi un mémorandum d'entente entre en fait responsable industrie de l'armement turc et le ministre de la défense haïtien sur les affaires bon gens relation qui a été entre la Turquie et Haïti. Je crois que si on a l'autre point que nous pas parler de lui, dans communiqué dans notre que le secrétaire d'État
communication qui pour sortir. Si il y a un point que ne pas parler là, quitter parce que me connais gain d'autres monde qui t'ai fait d'autres bilatérales, tant que président chambre commerce, me connais ont fait bilatéral tout. Yo même, il y a n'a capable parler de ça après. Deuxième point aujourd'hui, parce que nous connais, nous pas capable parler de venir parler là après 18 mai. Aujourd'hui, c'est 20 juin pour nous pas parler de dossier insécurité. Je crois que dossier insécurité ça, tout le monde aujourd'hui, c'est un coup tout le monde dit dossier insécurité, c'est qu'on y a. Même les rappeler tout le monde. Le pays a entré dans un cycle infernal depuis, je dirais, 18 dernières années, un cycle infernal d'insécurité. Et cycle ça, mettez-nous dans une situation côté chaque temps nous obligés à éteindre du feu. Nous songez. En 2005, conseil de noms qui te confère la pluie et le beau temps. Par exemple, Amaral, Dédouilmé, et 26 couteaux, Grenzonnet. Côté, je dis, il n'y a pas là. Et la police à côté, la police est toujours là. Au contraire, la police a renforcé. En 2005, la police était capitaine de 3000 personnes, je dis, il y a 14 000, ou presque 15 000 personnes. La police en 2005 pas de bon grain d'endé. Je dis à une quinzaine, ou disons une vingtaine, entre ça neuf et ça qui usé. La police n'a pas de des unités spécialisées qui ont fait des opérations au moment opportun dans des zones qui sont difficiles. Je dis à la police là, lui, commencer à doter tête des unités qui sont capables de permettre lui rentrer des côtés difficiles et pour mettre l'ordre dans des zones. L'homme monté président, t'es une série de noms tout en 2017. T'as comme te connais, dans la zone Matissan, où t'es tête calée, Anel, dans la zone Tirivelle la Tibonite, Audema, dans la zone Cité Soleil, Tsinga, dans la zone la Tibonite, Canal du Vent. Côté yo, yo pas là. 2017, oui. Côté la police là, toujours là. La police l'a renforcé. Et c'est pour me dire aujourd'hui, je profite de l'occasion, c'est pour me dire chaque grand haïtien qui a tendu là. Pas de personne qui est venu ou allant devant le peuple ou pour pouvoir nous même. Et puis, je dis à pour tenir tête et langue avec moi. Moi-même, je fais campagne pendant 22 mois dans le pays. C'était candidat qui était en campagne, qui était. Qui pas de violence du tout là-dedans. C'était pas l'un de qu'on balait, son discours qu'on a gagné, et c'était pour ça que la population a été voté nous. Je dis à dossier insécurité, j'en nous dis, c'est pas un dossier, je dis à son dossier qui datait, j'en lis à deux, environ 20 ans, pour ne plus préciser, 18 ans, et c'est pour ça, je profite de l'occasion ça pour me dire tout acteur. Acteur qui était. Qui était un phénomène ça depuis l'heure de commencer. Je voulais parler de l'international. Je voulais parler de gouvernement. Ça veut dire, moi-même comme chef de l'État, premier ministre qui l'a, avec tout mon gouvernement. Je voulais parler de secteur privé. Nous tous ensemble qui te mettez main. Je voulais parler de politiciens. Qui te mettez main, qui te fait nous te joindre un mot sur la paix, mais qui pas durer. Je dis, il faut nous commencer à mettre main pour nous commencer à réfléchir à la paix. On l'autre gens. Parce que je me songe. Après l'opération Bagdad, nous devons être artistes pour la paix. Mais, est-ce qu'artistes pour la paix, ben nous, ça nous souhaite? Non. Ça veut dire, après, nous devons être CNDDR, Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Moi-même, ça fait 27 mois, je mets la commission ça en campé tout. Est-ce que je dis, je dis que la commission, résultat que nous avons dans ces limites, non. C'est pour me dire que le problème insécurité, le plus profond, problème violence qui gagne dans Port-au-Prince là, le plus profond que Jean nous-mêmes n'a réfléchi là. C'est pour ça que je dis, demander la communauté internationale là, qui t'a supporté problème ça, de 2004 pour arriver jusqu'en 2017. Je veux être clair pour tout le monde dit que je me dis, c'est pour. Ministre tout non encore, t'as l'air m'attendre, c'est ça me dit. Non, c'est pas lui me dit.
moi dit communauté internationale là engagement qui pour prend ensemble avec la police nationale qui je dis à nous mon police nationale qui gagne près de 15 000 moun la donne engagement qui pour prend avec autorité établie pour nous capable Jean nous te commencer faire dans mois mars et gain résultat nous commencer joindre par exemple non importation munitions dans pays Jean nous te demander que zami nous pays les États-Unis aider nous pour nous chaque temps nous qui un bon municipal qui avec balle avec zam non ça que li importé pour permettre nous capable remonter filière moun ça jusqu'à côté moun nan moun qui te mette l nan conteneur ça a commencé by résultat faut me dire que zafè munition li commencé vinn pi difficile pour bandi rejoindre et faut continuer sur la c'est ça moun qui comprennent qui n'a commerce munition dans pays a c'est pour que la police lui même tout service nous mettons ensemble nous font seul qui pour permettre que nous arrivions sur eux pour gens nous connaît des monde qui dans prison entendez des rumeurs parce que même dit c'était des rumeurs que vous voyez parce que jusqu'à présent comme président on peut recevoir un document formel ni une liste qui dit même on n'a vendre dans pays a même on n'a vendre munition dans pays a mandé ministre justice s'il recevoir les dit non juste les pas recevoir les m'entendez ça te parler dans la radio c'est pour me dire tout le monde aujourd'hui nous même nous pas dans dans coller à personne qui dans zak insécurité à violence en dans pays là m'profite occasion encore j'aime te commencer pour me voir sympathie moi by tout policier by tout parent victime yo pour me dire que on l'autre fois encore police la frappé mais nous pas qu'à courir nous pas qu'à faire bac police là aujourd'hui n'a goumé pour renforcer pour permettre pour le cas camper gourmet avec monde qui comprennent qui va mettre dans des routes la police c'est quoi légal que nous avons dans le pays c'est lui même nous là pour nous renforcer et c'est pour nous continuer à faire genre instruction passée à premier ministre qui l'a directeur général police quel que soit ça la police là les besoin moi connais qu'il y a pile problème grand pile déficit grand pile ça a besoin pour le travail pour faire face à moment ça il y a un problème il y a pas sur place et m'a demandé DG police moi connais rien de commande qui te fait pour qui ça commande ça yo yo pour arriver si on côté ça avion pour prendre l'état c'est pour le prendre charge qui pour payer pour être capable de transporter pour arriver pour venir en support pour la police ça parce que les bandits déclarer la police la guerre son seul choix que la police gagne c'est faire la guerre avec eux et nous mêmes au plus haut niveau de l'état moi dis nous sommes comme la justice, cette femme aux yeux bandés. Nous là pour nous supporter la police là à 100%. Pour nous capables de dire, jodia, bandits, yo, yo pas qu'à continuer à faire chemin encore. Route barré tout côté en bas la ville là. Nous connaissons que la police actuellement a fait opération Kounia. Et me félicite yo pour ça. Et connaît que nous derrière yo, nous pas jamais blaguer yo, nous pas qu'à camper. Pour nous garder bandit qui a pris le pays. Les gens qui déplacent, nous avons presque plus de 3000 personnes qui déplacent dans la zone Matissan qui n'ont pas fou. Nous avons plus de 2 milliers de personnes qui déplacent qui dans la zone Delma, bas Delma. Je m'a demandé protection civile, FAES, pour les ministres qui l'ont, jeudi, dimanche, même, pour une réunion d'urgence qui fait, pour que les gens ne nous pas quitter. Côté et à ton coup de petit mis sans gado. PM, faut nous réunir avec mon ministre affaires sociales là, rapidement, pour nous pour ta faire une réunion, pour nous équiper en bonne manière, pour nous venir en support à Mounsayo. Mais Mounsayo m'a dit, l'État n'a pas campé garder, la police a travaillé pour retourner la caillou. Parce que pas de personne qui a campé pour. Mettez-vous dehors, parce que bandit, je nous dis là, la vie bandit, c'est coûte que ça dure. Je dis à 4 ans, 4 mois, sous pouvoir, je suis cité avec nous, 5 têtes de série. Et vous mettez sur la 2e division, tout la 3e division. Mais ça, c'est tête de série. Il n'y a pas là. Mais ou même je dis à ce point, vous prenez place tête de série, vous ne parlez pas là tout. Même j'avais ça pas là, de 2017 à aujourd'hui. Vous ne parlez pas là. Et là, on parle là. Ce n'est pas bien que la main deal, parce que nous, c'est haïtiens, c'est pour ça que nous mettons CNDD à sous pied.
pour nous connaître, pour nous suspendre, pour que nous nous avec la police qui se force légale. Depuis ce sujet, mais ça nous nous prenons route pour nous parler. Et nous, peuple là, bon, nous avons garanti. Peuple là, continuez à faire confiance dans la police nationale là. Population avec police là, c'est yon bounouye. Opération qui fait ces derniers temps, yon réussi. C'est la collaboration population avec la police qui fait yon réussi. Zak de vandalisme cap commettre sous business moun nan pays. Moi même cap parle avec nous, son entrepreneur. Moi connais qui douleur ça gagne là-dedans, le monde peut ton cobla banque. Ou allo faire business ou, et puis on joue, ou lever, ces portes là ou qui ouvert pas gagnant dedans. Moi crois que, non, l'État haïtien, non, tout gouvernement, nous camper sous côté toute victime ça. Et le premier ministre qui là m'a demandé pour presser une enquête qui menait pour nous qui entrepreneur, qui commerçant dans le secteur privé qui victime. Pour nous garder chita par là avec eux, pour nous équiper plus bon manière, parce que c'est pour ça l'État haïtien, les BNC, banque BNC sont banque commerciale liée 7, mais elle est là pour supporter dans le moment qui est plus difficile, leur problème. PM, pour regarder ça, les gens qui sont victimes de actes de vandalisme, bandits, toute plume qui comprennent c'est eux, qui l'État, même à vous une nouvelle là-bas, encore, tant que on bandit vive, pas jambes longues. La police, pas garder derrière nous derrière. Je profite occasion tout pour me demander tout frère, tout seul. Je voulais parler de ce frère qui est dans l'association droits humains. Ce frère qui est dans la presse. La police, là, pour une fois encore, il a besoin de nous. Je dis, peuple haïtien, pas voir PAM, il veut me parler avec nous. Pour le dire, je dis, il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour nous camper de bon côté la police, pour nous camper pour nous faire yon avec l'État. Pour nous comment, pour nous mettre force nous ensemble, la presse, qui sont puissance, qui sont pouvoir, pour nous comment à faire, pour nous mettre nous ensemble, pour nous goumer contre phénomène, ça, qui sortit, pour mettre dans la zone métropolitaine, non, à terre. Parce que Port-au-Prince, c'est ville, nous, zone métropolitaine, non, c'est zone, nous, nous pas cap quitter, les tourner en zone de non-droit en général. Frère Maxime, qui n'a toute association de droits humains dans le pays. Protecteur citoyen, Captain Demla, nous connaissons que on a une institution indépendante. Mais je dis, la police a besoin de soutien nous. L'État a besoin de soutien nous. Besoin de support nous dans la bataille qui a mené contre les bandits qui sont pour mettre la police avec l'État à genoux. Nous-mêmes, nous disons, nous sommes fermes derrière. Force de sécurité dans le pays. La médaille, je connais que la police, toujours parfois, à travers chef CSPN, mande nous service nous pour nous faire couverture pour eux. Nous pas dans opération directe. Mais nous-mêmes, tout c'est pour être nous. Parce que depuis nous avons fait choix, même si je dis, c'est peut-être 5 ou 600 militaires qui nous dans le pays. Mais, pas rien fait bac. Tout c'est pour être nous. Les policiers devant, ils ont même les reconnaissent nous derrière. Les virés derrière, c'est pour nous connaître, pour nous nous là. C'est pour nous battre ensemble avec eux, pour nous mettre la paix, pour que la sérénité tourne dans la famille, pour que le monde tourne vivre tranquillement dans le quartier. Des quartiers, longtemps, c'est des quartiers qui étaient réputés tranquilles. Aujourd'hui, nous, les quartiers, c'est dans les bandits commencent à faire la pluie et le beau temps. Moun Port-au-Prince, Moun Kafou, Moun Pétionville, Moun Delma, Moun Cité Soleil, Moun Tabac, Moun Croix des Bouquets, en nous, serré collé. Mettez tête nous ensemble, Moun Matissan, avec force de sécurité. Pour bon gens réponse bail, pour nous capables de mettre tout bandit hors d'état de nuire. Parce que bandit, pas jamais prendre place force légale dans quel pays sur la terre. Jamais. Force légale, c'est eux-mêmes qui là pour être capable de mettre sécurité, combattre banditisme, remettre l'ordre côté qui vient des ordres. Moi, je nous en pile. Bataille n'est pas facile. La continue à faire. Parce que faut que les faits, changement, c'est toujours difficile pour le faire. Mais pas oublier, me dis-nous. Changement,
C'est les mêmes qui pour faire si nous besoin qu'un pays meilleur dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans qu'à venir. Merci en pile. Voilà. Et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.